Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve aujourd'hui sur Warframe. Et oui, comme d'habitude, juste pour vous présenter la petite mise à jour qu'il y a eu hier soir. Donc le camouflage Nightwatch et une nouvelle cape, le Raski Tag. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop là. Donc ok, petit fail. Allez. Donc du coup, ces camouflages sont sur l'Ogris, le Nucor et le Hackenbrunt. Donc, vous voyez l'Ogris avec ce camouflage basique, hein, puisque j'ai remis par défaut exprès pour vous faire voir. Donc voilà, donc c'est un petit camouflage marrant. On a aussi sur le Nucor, donc sur le Nucor, je trouve que ça rend moins, c'est moins visible. Le plus visible, vous allez voir, c'est sur le Hackenbrunt. Donc voilà le Nucor, et oui, petit Nucor. Et donc voilà le Hackenbrunt. Donc ça se voit notamment sur le bouclier. Bon, c'est plutôt joli, mais bon, est-ce que ça mérite vraiment 60 platines? Est-ce que ça vaut vraiment 60 platines? Ah, je suis pas sûr. Et donc, après vous avoir fait voir les petits camouflages Nightwatch, voici la Syandana Raski Tag. Donc, elle est ici, voilà, hop là. Donc, bon, je la trouve pas super belle, elle est sincèrement pas très très jolie. En plus, le prix, je trouve qu'il est assez élevé quand même pour ce genre de. Bon, ils appellent ça une cape, moi j'appelle ça plus une Syandana. Enfin bref, bon, après, voilà, hein, donc je trouve que c'est pas du tout justifié. Bon, voilà, le style est marrant, c'est marrant, mais bon, voilà, encore une fois, le prix aurait pu être un petit peu plus bas. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un petit peu cette petite mise à jour vis-à-vis des camouflages, donc des skins en gros, hein, voilà. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, c'était Castelix.